100% Dragon, le podcast dédié aux Drags catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. Dans un match au scénario complètement fou et malgré des conditions météo très difficiles, les Dragons ont signé ce jeudi 24 février leur premier succès de la saison à l'extérieur en Super League. Pour ce round 3 de la saison régulière, les hommes de Steve McNamara se déplaçaient à l'Headingley Stadium de Leeds pour y affronter des Rhinos qui ne l'ont pas encore emporté cette saison. Les Britanniques devront encore malheureusement patienter. Deux semaines après la défaite en ouverture du championnat, les Dragons entament leur première série cette année devant un public anglais chaud bouillant de 15 000 spectateurs. Contrairement à samedi dernier, les coéquipiers de Benjamin Garcia ont signé une victoire audacieuse en profitant de leurs occasions pour scorer. A noter le gros match de Davies, Yaa et Sam Tompkins qui ont apporté leur plus-value sur leur remontée de balle. 4 partout à l'issue de la première période, grâce au troisième essai de la saison de Fouad Yaa. Les Drags se sont également démarqués par des sauvetages de Sam Tompkins et Tom Davies par deux fois dans le froid du Yorkshire. Ce jeudi 24, les conditions de jeu n'ont en rien altéré la qualité du spectacle. Sous une pluie qui a fouetté les Dingley et qui ne s'est jamais arrêtée, les Dragons ont pu bénéficier d'un vent dans le dos après la pause. Sam Casiano a joué le coup dès la reprise et Chan a passé la ligne pour le 10-4 afin de clore le score de la rencontre. Malgré le jaune écopé par Mitchell Pearce, les Dragons ont tenu le choc avec une défense retrouvée. Deuxième victoire consécutive pour les joueurs de Bernard Gouache, la première à l'extérieur cette année. Il faudra confirmer dans la tanière des Wolves de Warrington vendredi prochain. On suivra ça de près dans 100% Dragon. C'était 100% Dragon, le podcast consacré à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Betfred Super League, réalisé à partir des écrits de Bruno Ontenient pour l'Indépendant. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.